per rétablir les conditions politiques qui favorisent et exaltent l'enracinement des individus et des peuples. Enracinement territorial, bien sûr, mais aussi culturel, spirituel, religieux, identitaire. Il faut passer d'une vieille conception de démocratie libérale à une différente démocratie, plus moderne, mais aussi plus ancienne. Une démocratie communautaire, identitaire, populiste, oui, populiste, au combat, soldats politiques de l'Europe des peuples, de la communauté.